C'est la Funkus 2 avec moi, Ben 5 avec Monsieur Black Funky. Je suis là, qui est là aussi, mesdames. Également, c'est ça. Les deux tauliers de la team. Hein. Et en fait, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Une vidéo. Podcast rapide. Voilà, une vidéo podcast rapide. On peut lire ça comme sur, ça. Sur ce qui va se passer en 2013. Attends. Non, mais c'est un peu ça en plus. Hein. Oui, enfin, bon, voilà. Enfin, c'est surtout voilà, pour présenter vite fait la team. Etc. Et aussi l'occasion d'inaugurer le profil de la team sur YouTube, expliquer un peu tous les bails comme ça, l'organisation qui va s'en suivre, les projets, voilà, les projets qu'on a, les vidéos qui vont arriver, etc. Petite présentation de la Funkus Team qui existe depuis 3 ans. C'est depuis que je me suis inscrit sur Daily. Oui, 3 ans. On a commencé sur Dailymotion. Pour des raisons techniques et quelques, enfin ouais, des raisons techniques et des raisons autres, on s'est barré de Daily. Ah oui bon. Donc par contre vous pouvez toujours retrouver les vidéos qu'on a faites avant. Ah ils sont toujours là. On a fait pas mal de tests, on a fait des vidéos, on a fait des tests de Sleeping Dogs, on a fait des tests de quoi, de Halo 4, de Mirror's Edge, de voilà, il y a une flopée de vidéos tests. De Modern Warfare, certains Call of, on a fait Call of Duty, pas mal de trucs, on a fait un Wolf sur Devil May Cry. Premier du nom, un complet, magnifique, total, parfait, fini, total, voilà. Fini, avec Blackfoot qui a la manette, ouais. Avec un jeu de PGM total. Faut dire qu'il n'y a pas mieux que moi pour contrôler. Devil May Cry, on est vraiment très fan, et encore plus Black Monkey qui est... Je préfère même pas en discuter. Qui est enchaîné à ce jeu, qui est... J'ai dû passer la cinquantaine de fois fini. Hein. Non. Non mais oui, enfin tu l'as, oui. Ouais, bah il arrive qu'une journée je le finisse et hop. C'est vrai que c'est un jeu rapide, néanmoins, voilà, c'est un très 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 gros fan. Je le finis des fois une fois par semaine, je le finissais une fois par semaine, tu vois, j'avais mon week-end où il y avait le Devil May Cry. Non mais voilà, donc vous voyez, c'est vraiment le ouf. Et d'ailleurs, à ce propos, on fera sûrement la suite de DMC, à savoir le 2, au grand dam de Black. Mon dieu. Franchement, il est dur à reprendre. On le fera sûrement le 2, alors peut-être pas, parce que bon, enfin bon, on verra. Et on fera sûrement le 3. Le 3, on va le faire. Sûr, après peut-être le 4, encore moins sûr le 5 par contre. Ah, le 5 par contre, là, ça va être un débat. Ça va être litigieux. Ça va être débattu. Donc voilà, alors ça c'est voilà ce qu'il y avait sur nos profils. Il y a aussi beaucoup d'autres choses, hein. Il y a Black Funky qui a fait plusieurs trucs solo. Voilà, de toute façon, vous aurez une flopée. Vous aurez surtout quelques liens dans le descriptif. Ouais, on vous fera quelques liens. Surtout par exemple son aventure Skyrim Dawnguard sur l'extension, la première extension de Skyrim. Ouais, voilà, j'ai lancé aux 3 quarts. Qu'il avait commencé et qu'il faut que tu termines. Je terminerai. Je veux voir cette. Je veux qu'il soit terminé. Je veux voir cette fin. Non, parce que Black Monkey est un grand spécialiste du Wolf Food. Du Wolf Food que je commence et projet entamé, mais sans. Qui n'est pas terminé. Voilà, c'est le grand spécialiste. Hein. Ça, c'est. Ça détend un petit peu. Il y a pas le spécialiste de la roulette, il y a le spécialiste du Wolf pas fini. Voilà, c'est ça, c'est lui, c'est Black Funky. Non, donc oui, celui-là, je veux voir la fin. Il va être fini. Surtout que je suivais bien. Je m'engage solennellement à le finir. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça, on vous laissera les liens en dessous de la vidéo, comme ça, voilà, pour nous connaître un peu mieux, pour voir ce qu'on a fait. Vous verrez d'autres vidéos, des livres, etc., des trucs comme ça. Des trucs sympas, branche. Voilà. Ensuite, quoi d'autre qu'il y avait à dire? Notre nouveau profil, c'est-à-dire que on a chacun un profil perso. Voilà, il y a The N55. Il y a The N55, c'est mon profil. N55. Il y a The Funky Black. C'est le profil de Black, bon, super, Key, bien évidemment. Profil magnifique, tout beau. Avec plein de choses bien dessus. On vous invite là. Tout de suite maintenant, allez-y tout de suite, ne réfléchissez cherchez même pas, ne réfléchissez pas, allez vous abonner sur le profil de la team qu'on a créé, donc The Funkus Team, pour retrouver toutes nos vidéos ensemble, et on va en faire. A savoir que petite précision, c'est que ce podcast va être posté sur tous nos profils. Voilà, comme ça... Profil de toutes les personnes de la team, et évidemment de la team. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, enfin en tout cas qui veulent suivre nos vidéos, vous pouvez vous abonner à qui vous voulez, voilà, ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez, mais on vous donne l'information. Voilà. Maintenant, en fait, les vidéos qu'on fait ensemble, c'est-à-dire enfin voilà, dès qu'on est plus de 1, plus de 1, ce sera posté donc sur le profil de la team.
d'où l'intérêt de s'y abonner. Par exemple, je pensais à par exemple le Wolfou du mode Spartanob sur Halo 4. Donc là, on va finir de le poster sur ton compte, je pense. L'épisode 1 sera fini dessus, puis après l'épisode 1 sera fini sur le compte de Funky. Et ensuite, tout le reste, on va le mettre sur le profil de la team. Donc voilà, si vous suiviez, vous inquiétez pas, ça s'arrête. Si ça s'arrête, c'est que c'est sur le compte de la team. Voilà, donc, N'hésitez pas à aller voir, à regarder tout ça, si vous voulez suivre. Donc voilà, donc ça c'était l'élément clé un petit peu quand même de la vidéo. À savoir que donc en gros qu'est-ce qui vient là, un Wolfou. Les vidéos, le Wolfou de Naruto. Wolfou de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2. Ça se trouve là ce serait une information parce qu'on l'a pas eu avant. Ouais, je pense qu'on va poster c'est une information les enfants. Vous aurez du Ninja Storm 2 Ouais, toute l'aventure à fond, à roi. En entier, et là on a déjà enregistré 6 épisodes. Ouais, donc ça commence bien, surtout que là c'est les vacances, donc je pense qu'on va le rocher sa race. Donc voilà, donc c'est pour ça. On fera le test dans la foulée, alors le test du jeu Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2. Putain, j'ai toujours du mal. Hein, de toute façon, vous verrez pendant le plus, c'est dur. Non, mais donc on fera donc le test de ce jeu pendant le Wolfou, je pense, ou à la fin du Wolfou, histoire qu'on soit bien dans le jeu à fond, quoi. À savoir que Black et Socrate, un autre membre de la team, qu'on vous présentera plus tard, peut-être. Parce qu'il est pas là, ce con, il est jamais là. Il n'est jamais là, il est chiant. Je le dis tout de suite, t'es un connard, tu viens jamais. Non, okay, bref, on a déjà terminé le jeu. En fait, tu vois, c'est le guest. Un petit peu. Donc, du coup, on vous fera un test conséquent et bien fourni et bien de qualité. N'est-ce pas? À côté de ça, on aura lors de la sortie de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3. Boum! Bien boum! Boum! Ça c'est marrant! Allez, clap dans les commentaires! Donc voilà, pour le test du 3, le 3 arrive en mars, c'est ça? Oui. Est prévu en mars, selon les sources Funky. De Black Funky. Oui, fin mars normalement. Enfin, le 29 mars, si j'ai bien vu sur jeuxvideo.com. Donc normalement, on aura fini le Wolfou du 2 dans bien ce avant. Normalement, il ne faut pas déconner. On aura fait le test du 2 et on compte acheter le 3 et vous faire le Wolfou du 3 ainsi que le test un peu après. Donc ce sera sur aussi le profil de la team. À côté de ça, on va faire d'autres trucs, hein, j'imagine. On va avoir plein d'autres vidéos assez diversifiées. Des tests, on va faire des tests, je pense. Il y aura du test, ouais. Puisqu'on fait ça souvent, les tests, donc on va faire ça. Il y a du testage qui va arriver. Il faut qu'on se mette d'accord sur les jeux, il va falloir regarder un petit peu tout ça, tout ce qu'on a en commun et voir ce qu'on va faire. Quoi d'autre? Mais plein d'autres vidéos. Que ce soit des vidéos délire, des vidéos découvertes. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on se cantonne pas à un seul type de vidéo. On fait à peu près tout. On fait à peu près tout ce qu'on peut faire. En fait, tout ce qu'on veut. Par rapport à notre humeur et à nos envies. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, on fait à peu près de touche à peu à tout. Donc, ça risque d'y avoir beaucoup de choses. Beaucoup de choses différentes. De la diversité dans la funkiste. Voilà, de la diversité, on aime ça. Un mélange de saveurs et de couleurs. Explosion de saveurs et de couleurs. Et à côté de ça, donc dans nos profils respectifs, on fait chacun nos trucs solo. Là, ce sont les aventures solo. Donc je vous invite notamment à aller voir la saison NBA 2K13 de Black Funky qui est très bien. J'avance très bien en plus. Ouais, tu joues pas mal, espèce d'enfoiré. Là. Ça va de mieux en mieux. Hein. Ah ouais, c'est vrai qu'au début, c'était laborieux. Non, c'est vrai, c'était pas ça. C'est surtout le lancer au 3 points qui était un peu récurrent et un peu. Ouais, ça, c'est un automatisme que j'avais depuis longtemps dans les NBA. Mais du coup, maintenant, tu les marques pas mal et ça fait. Non, je suis devenu à droite. Tu vois, je suis devenu très à droite. Du coup, ça aide. Hein. Parce que les 3 points, ça aide, ouais. C'est... Je suis devenu très à droite. Donc voilà, avec une team sympathique. C'est quoi le nom déjà? Battlestar Columbus. Voilà. La ville de Columbus. Avec le mec Swaggy. Le Swag Man. Le Battlestar Man. Très beau match. Donc, je vous invite à aller voir ça, c'est très sympa à suivre. Surtout pour le match face aux Lakers. Regardez le Swag. Rien que pour la fin. Aïe aïe aïe. Rien que pour la fin. Aïe aïe aïe. Quoi d'autre? Wolfou d'Halo 4. Sur son profil, tout ça. Moi, je vais faire. Je pense que j'aime beaucoup me faire de vidéos tips. Je pense que je vais me lancer là-dedans. Là. J'ai envie de. Voilà, c'est le truc. Plein d'astuces de tips, non. Je plaisante. Mais je suis. J'aime bien pousser les jeux comme ça. Non. Petites astuces, petits trucs secrets. Machin. Donc voilà, peut-être je ferai ça. Je ferai peut-être un Wolfou sur quelque chose. Je ne sais pas trop encore. Il est toujours en pleine phase de réflexion. Mais c'est-à-dire qu'en fait, moi, je viens d'avoir son propre boîtier d'acquisition. Donc voilà, donc je vais pouvoir. Un Avermedia Game Capture HD.
Voilà, pour pas faire de pub. Faut dire de la pub, des choses qui sont bien. Non, c'est vrai, très très bon, très très bon matos de qualité. Bonne qualité. Ouais. Donc, si vous voulez faire des vidéos, je vous invite à acheter celui-là. De toute façon, vous nous demandez dans les coms, vous balancez toutes vos questions. On y répondra avec grand plaisir. D'ailleurs, c'est là pour voilà. Ça aussi ce podcast. Hein. Oui, s'il y a des choses que vous voulez nous demander, n'hésitez surtout pas. Il n'y a aucun problème, notamment au niveau du matos, etc. C'est le moment. Si vous voulez vous aussi essayer. Balancez toutes vos questions de Kéké, on y est. On est Al, mon frère. Donc, c'est parti. Voilà, que dire d'autre? Les membres de la team en gros. Membres de la team en gros, alors donc il y a moi-même. Les deux fondateurs, donc il y a Zorara qui sur 92, enfin qui s'appelait comme ça sur Daily, mais Daily sur Machine, YouTube, c'est passé sur N55, mais je l'appelle toujours Rara parce que c'est un automatisme pour moi, ouais, c'est Rara. Voilà. C'est devenu un automatisme. Voilà, le Kisuke, c'est le Kisuke. C'est le Kisuke. Aussi, autre chose à savoir, c'est que on se connaît in real life, hein, j'ai envie de dire. Oui, nous sommes voisins en réalité. Nous partageons le même mur. C'est ça, exactement, c'est exactement ça. Donc, c'est aussi une on bonne se chose connaît pour, depuis 15 ans, donc. Ah oui, depuis voilà, des années. Hein. Donc, années, des années. Et donc on fait les vidéos ensemble physiquement de manière présente. Comme ça va être beaucoup plus simple d'ailleurs pour les vidéos au niveau de la fréquence. Voilà, donc, ça c'est une bonne chose, sûr. Et c'est bien, c'est au niveau de l'organisation. Et c'est pour ça que par exemple vous avez notre voix bien, quoi. Il y a pas de. Ouais, voilà. Voilà, pour donc ne nous demandez pas comment. Après maintes pour... et maintes réglages pendant les années. C'est les ouais, années, des années de galère. C'est vrai que quand on retrace le parcours de la team, ça s'est fait petit à petit. On a eu deux ans et demi de pure galère. De grosses galères. Au niveau du matos, etc. Donc voilà, donc pour ceux qui veulent se lancer, n'hésitez pas à demander parce que ça va peut-être nous, on vous a connu éviter, la galère. Va peut-être vous éviter des chiens-lits monumentaux. Ah, on a connu la galère, les gens, vous pouvez y aller. Donc voilà. On donc, est des John Rambo du record. Un peu. Ah, on est des Rambo du record. Voilà, donc, et encore, il y a des trucs qui vont pas trop. Bon, ça va maintenant. Alors là, franchement, comparé à avant, non, mais c'est le Saint Graal. Ça va, mais il reste plus qu'à acheter. On n'aurait jamais imaginé qu'on arrive là. Il reste plus qu'à avoir un bon logiciel de montage, un vrai, parce que Movie Maker, ça pue du cul, il faut le dire. On peut faire vraiment des trucs que très, très basiques. Voilà, donc ça, c'est un futur. Mais ça va peut-être venir, de toute façon, on verra ça. Ah, j'espère. Donc il y a nous deux, donc les deux tauroliers, avec Black Funky qui a commencé très tôt le jeu vidéo. C'est un accro hein, depuis tout petit. Je suis pas sûr, mais je sais que ma première console c'était la Super Nintendo, mais je veux pas dire que non plus je suis à l'Amstrad. Oui, non, mais d'accord. Tu joues à Pong. J'ai essayé Pong. Et c'est pas si mauvais que ça. Non, hein. C'est génial. C'est quand même assez dynamique. Hein, c'est addictif et tout. C'est faire petit jeu addict comme Tetris. Le concept est un truc d'art. Donc tu as commencé sur Super NES, moi j'ai commencé beaucoup plus tard sur PS2, et oui c'est ça. Même si j'avais pas connu la PS1. Même si j'avais tâté de la Dreamcast avant, et de la PS1. Ah quand même, la Dreamcast hein. C'est secret d'ailleurs. Oh non, la Dreamcast c'était une console. Une console quand même injustement. Hommage à la Dreamcast, tellement injustement enterrée. Tellement magnifique cette console, bref. Donc voilà, ça c'était pour la petite histoire. Ensuite, comme autre membre, donc on a l'ami pervers Socrate. Ah oui, ça gratte. Socrate qui en ce moment est très 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 fluctuant au niveau de sa présence. Il ne vient plus. C'est un peu le bordel je crois chez lui. Donc voilà. Mais il arrivera. Mais il viendra sur des vidéos. Il fera sûrement. Il viendra sûrement dans le Wolf of Naruto je pense. Peut-être le test. On espère. Il fera d'autres trucs, on verra. Parce que les gars, faut pas le rater. On fera des choses. Il ne faut pas rater Socrate. D'autres. Et on a The Team of the E. Appelé Lalouche dans le métier. Lalouche. C'est aussi un de ses surnoms. Et aussi qui... un autre membre de la team, c'est le chat. Le chat. Le chat du testeur. Hein, le chat de la team. Le chat syndical. Le chat est là, avec nous. C'est le chat syndical. Non, et sinon, donc The Type qui est mon frère en fait. Et qui va surtout faire du jeu de sport à fond. C'est un jeu de sport, du Call of. C'est un kéké du FIFA. C'est un kéké. Et aussi du des FIFA. Jeux de tennis parce qu'il aime ça. Des jeux et de sport. C'est un kéké du FIFA, des jeux de sport hein, de manière basique. Kéké. Voilà. Et que dire d'autre? Mais viens dire bonjour. Ouais, viens leur dire bonjour. Oh là là, regardez-moi, c'est un politesse. Ça commence bien. C'est hein. Incroyable. Ah, le chat lui dit bonjour. Le chat dit bonjour. Le chat dit bonjour. Le chat de la team. Tu peux dire bonjour toi aussi. C'est n'importe quoi ce qu'on dit. Bonjour tout le monde. Voilà The Type. Bonjour DPD. Vous aurez l'occasion de le regarder. Il y aura des vidéos, il aura son profil aussi. Il va faire des vidéos aussi. Et puis voilà. Voilà, donc on verra ça. Donc voilà. Ce sera organisé. Bah nous on s'arrête là-dessus, je pense. Il n'y a pas grand chose de plus à dire. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions dans les coms. Voilà. À dire ce que vous pensez de la team si vous avez regardé, si vous suivez quelques vidéos.
voilà. De toute façon, le meilleur reste à venir. Ça fait très plaisir, le meilleur reste à venir. Bah, surtout que pour l'instant, au niveau de la team, il n'y a rien. Pour au niveau des vidéos, même si on a commencé un petit peu à faire des trucs. Bah, la première vidéo, ce sera ça. Notamment, on a un vidéo test d'Halo 4 sur mon profil qu'on a fait ensemble. Mm-hmm. Tu vas le transposer sur le truc de la team. Si vous êtes intéressé, je ne sais pas. Pourquoi pas. Pourquoi pas, faut voir. Après, j'ai fait inviter un vidéo test. Bon, c'était solo parce que de Far Cry. Black Funky n'avait pas trop joué au jeu. De Far Cry d'ailleurs, en parlant de ça, le test, j'ai fait la police de Far Cry. Sur... Ah bon, faut que je vois ça. Faut que je vois. Elle est très très bien réussie. Ah oui, parce que il faut savoir quand même que Urahara c'est un bon graphiste. Hein. Non, je suis pas graphiste, non, je suis dessinateur. Non, c'est un dessinateur. Voilà. Il dessine bien en fait, il a quand même le coup de crayon. Un petit peu, pas terrible non plus. Non, t'as un coup de crayon non, quand même. C'est pas non plus. Et comparé à... Non, t'as un bon coup de crayon quand même. Bon, et donc voilà, en fait, non, je fais à chaque fois, dès qu'il y a une police un peu particulière pour les jeux, en test, je fais le jeu. Il fait sa petite présentation peut-être, sympa. Peut-être au bout d'un moment, si on a fait beaucoup de tests et tout, je ferai. Il y en a déjà quand même un petit nombre. Petit panorama de photos. Le chat arrête de faire chier le monde. Bref, nous on va s'arrêter là-dessus. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez les vidéos de Black ou de moi-même ou des deux et que vous voulez suivre. De toute façon, si vous aimez l'un, vous aimez l'autre. C'est clair. Non, c'est vrai, c'est très complémentaire et tout. Donc voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre la suite. Mais sinon, faites que passer. Bah bonjour à vous. Je m'appelle Funky Black. Enchanté. Et puis évidemment, joyeux Noël. Et bonne fête à bonne tous, fête. Bien joué Thibaut, bien joué. Good job. Bon, Thibaut, tout le monde a compris. Hein. Excuse-moi de... C'est pas grave. C'est quand même un pseudo qui laisse par la transparence, je dirais. C'est vrai que là, bon. Donc voilà, à plus tout le monde. À plus. We'll be right back.